Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 26 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous m'excuserez, mais je suis un petit peu enrhumée. Donc, excusez pour ma voix qui n'est pas très très claire, qui est un petit peu rauque. Avant de commencer, je mérite de vivre dans l'abondance. Je suis la santé parfaite et on va répéter ça 3 fois, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, eh bien, j'ai courage. Et c'est avec l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Pour certains d'entre vous, n'est-ce pas? Dans cette situation, vous devez agir suivant vos convictions. Même si les autres sont en désaccord. Encore une fois, ce n'est pas les autres qui doivent prendre les décisions. Je vous protège du danger et je vous guide à devenir un porteur de lumière et bien débordant d'amour. Et lorsque vous défendrez vos convictions, eh bien, vous êtes un modèle pour les autres. C'est là une forme importante d'enseignement spirituel où, eh bien, votre exemple donne évidemment aux autres le courage de défendre aussi leurs propres principes. Vous avez du caractère, vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Et cette force de caractère, eh bien, vous la déployez pour les autres. Et les autres en prennent de la graine de voir que, voilà, vous avez des convictions et vous n'attendez pas que les autres vous disent quoi que ce soit. Donc c'est très très bien. Parce que autrement, vous n'êtes plus maître de vous, n'est-ce pas? Donc, dans la situation que vous vivez présentement, eh bien, vous devez agir suivant vos convictions. Voilà. Ce qui est, c'est quand même le plus important, n'est-ce pas? Alors, travaillez avec l'archange Ariel. L'archange Ariel, c'est « Ayez du courage et défendez vos croyances. » Et travaillez avec l'archange Ariel. Le nom Ariel, lion de Dieu, lion de Dieu, lion de notre Créateur. Eh bien, ce bel archange, il possède les qualités de la lionne. C'est-à-dire, eh bien, la bravoure, le courage, la concentration et les mouvements élégants. Si vous remarquez des images de lion et de lionne, c'est signe qu'Ariel est à vos côtés. Faites appel à lui pour renforcer votre confiance et votre courage. Très beau message, n'est-ce pas? Encore pour aujourd'hui, donc, pour toutes celles et ceux qui sont dans une situation que vous devez agir. Une situation qui n'est pas facile. Eh bien, ayez confiance en vous. Et agissez selon vos convictions. Même si les autres sont contre de ce que vous allez prendre comme décision. Très, très, très beau message. On termine eh bien, avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. Et aujourd'hui, j'ai pigé croyance.
Alors pour certains d'entre vous, quels sont les bénéfices que vous retenez, que vous retirez de votre souffrance, de votre maladie? Je répète la question parce que c'est très important cette question. Quels sont les bénéfices que vous retirez de votre souffrance, de votre maladie? Alors, est-ce que les personnes vous aimeraient moins si vous n'étiez pas malade? Posez-vous cette question. Pour certains d'entre vous, est-ce que vous attendez de la compassion de quelqu'un en particulier? Pour d'autres, est-ce que la douleur physique réveille-t-elle une douleur psychique trop intense que votre corps a décidé de compenser? Pensez-vous que la maladie est une fatalité et que le destin s'acharne contre vous sans que vous ne puissiez rien y faire? Eh bien, il y a une prière pour toutes ces questions. Croyance. Mes anges, merci lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis: je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Vous allez faire ça, hein, pour ceux à qui ça parle. Je ne vous cache pas que moi ça me parle. Et on va se dire le matin au réveil: je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Wow, c'est un beau message, n'est-ce pas? Voilà, vous cache pas que ça me parle et c'est ce que je vais dire le matin quand je vais me réveiller. Je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain.